one. Alors, on accueille sur le plateau celui que les réseaux sociaux qualifient de jeune prodige de la musique camerounaise. Hein. Il fait le buzz en ce moment. Hein. Sur les réseaux sociaux, on ne parle que de lui. C'est Vanistar. Vanistar, bienvenue sur Cameroun Feeling sur la CRTV. Comment merci, ça va? Ça va bien. Alors, je rappelle que vous êtes le gagnant de l'édition 2018 du Hip Hop Talent Search. Ouais. Mais avant cela aussi, vous avez fait le buzz avec Cameroun, la chanson sous le Cameroun. C'est plus tard. Plus tard? Ouais. C'est arrivé après? Ouais, parce que la chanson a été postée il y a à peine deux semaines. Mais en fait, votre approche, c'est de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ouais. Bon, c'était pour attirer un maximum d'attention sur moi, parce que c'est pas facile déjà étant débutant. C'est pas du tout facile de se faire une place. Mais est-ce que vous pensez qu'en postant des vidéos, vous avez vraiment réussi à faire bouger les choses? Parce qu'aujourd'hui, on parle que de vous, hein, Vanistar. Je pense que je suis en train de suivre le processus. Mmh. Alors, c'est en train de venir. Alors, comment est-ce que vous vous définissez? Un artiste atypique, un artiste... Bon, je suis un artiste. Tout simplement. Je suis un artiste. D'accord. Alors, parlez-nous de cette chanson-là. Tout à l'heure, on discutait avec Didier Kwamo qui vous accompagne. Et on parlait de la monnaie sur les réseaux sociaux. La monnaie, il n'y a plus de petite monnaie. La petite monnaie a disparu. Racontez-nous la petite histoire. Non, mais ça fait quelques années déjà que ce n'est pas facile pour tous les Camerounais, surtout ceux de la basse société. Ce n'est pas du tout facile pour prendre la moto, manger au Benitaria, pouvoir acheter quelque chose, parce que nous, on ne peut pas laisser la monnaie. Tu ne vas pas donner ton 1000 francs, tu achètes quelque chose de 600, tu dis, oh, regardez la monnaie. Ce n'est pas, c'est pas monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur ne fait pas ça. Voilà, il faut pas ça. En plus, monsieur l'ambassadeur de Pepdon, c'est compliqué pour tous les Camerounais. Mmh. Voilà, et cela vous a inspiré une chanson? Je dirais pas que ça m'a inspiré une chanson, c'est que c'est une histoire que j'ai vécue. Mmh. Voilà. Alors donc vous nous faites l'histoire, vous racontez l'histoire en quelques secondes avec votre guitare, qu'est-ce que ça donne? Je vais la faire sans la guitare c'est voilà. Dimanche matin, je prends mode de chez moi pour aller vendre mes pantalons. Je vois que jusqu'à le soleil m'a brûlé les cheveux avec ses rayons. À 18, il y a quelqu'un comme moi de nulle part avec un billet de 10 colos. Me dit petit frère, s'il te plaît, donne-moi le pantalon d'une Slim à 8 colos. Je begin à faire la monnaie. Partout, je ne vois pas. Dans tous les coins que je connais, on me dit, père, on n'en a pas. Même quand je vais au Go Studio, chez mon poteau Didier Yano, je dis à la moto, 400 dans 500, il dit, je peux pas haut. C'est mauvais, ça ne va pas. Mes frères, ça ne va pas. La monnaie manque dans les clubs, matango, les bars, même chez Mami Makala. Oui, je veux la monnaie. La petite monnaie. Il n'y a plus de pièces, les Chinois ont tout pris maintenant, c'est la crise. Oh, je veux la monnaie. Oh. Et la petite monnaie. Oh. Tous les Camerounais crient, vraiment ça nous pénalise. Ouais, grand frère, tu imagines que toutes les pièces du Camer sont stockées dans les machines. Les machines des Chinois qui viennent ici avec leur courtois, s'ils sont là depuis, on les chasse pas. C'est parce que le Camerounais est vraiment courtois. Oui, je vois, tu es pressé. Il est clair que je dois te rembourser. On passe devant l'église, je m'arrête, je gâte, je vois que c'est net l'heure de la quête. J'ai dit, mon gars, tu vas voir. Monnaie qu'on cherche depuis là, c'est ici à l'église qu'on va la voir. J'ai moi pas pris la peine de m'asseoir. J'ai dit, je veux la monnaie. Il veut la monnaie. La petite monnaie. Vanistar veut la petite monnaie. Bravo en tout cas. Hein. C'est le talent qui s'exprime et ça nous fait bien rigoler. Alors vous êtes à Yaoundé pour une action caritative. Vous allez soutenir une association dans un orphelinat. Ouais. Ça se passe où, quand? Ça sera, la présentation sera au Palais des Congrès. Ah, carrément. Voilà. Et vous êtes invité à vous produire au Palais des Congrès. Ouais. On reconnaît votre talent, là. Voilà. Et à quand l'album, Vanistar? L'album, c'est pour très bientôt. La date reste à définir. Mais pour le moment, c'est le single La Monnaie qui est en promotion. Et je précise également que je vais performer au Musée National tout à l'heure pour l'événement qui réunit le Cameroun voilà, et l'Égypte. Fashion Design. Ah voilà. D'accord, donc comme quoi on se retrouve sur le plateau. Hein. Voilà. En tout cas, bravo à vous, on vous suit sur les réseaux sociaux. Ouais. On aura le temps de vous recevoir à nouveau et de bien parler de ce que vous faites. Mais c'est le grand buzz, hein, Vanistar. Patrick Molo vous a reconnu tout à l'heure. Si Patrick Molo vous reconnaît, c'est que vraiment, vous êtes une célébrité des réseaux sociaux. Parce que merci. Lui, il quitte pas son téléphone. Ouais. Alors, un petit message à ceux qui vous regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, je pense que je peux faire ça en guitare. D'accord, en voilà. Quelques secondes. En quelques secondes. Parce qu'on a une petite surprise avant d'accueillir Oncle Otsama sur le plateau. Vous savez que nous sommes en période de carême, mais Oncle Otsama a décidé de nous parler du chrétien à l'époque coloniale. Mais avant cela, on a une petite surprise pour l'ambassadeur.
ça fait plaisir d'avoir l'ambassadeur d'Égypte. J'espère que j'aurai l'invitation pour la bataille. Afin de porter la musique camerounaise sur les pyramides. Petite improvisation avant de parler du Cameroun. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être du nord, de l'Est et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. Ouais, je me sens bien ici, tu sais, ici chez moi. Le Camer, c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en benne là-bas. Je vous pense. Mais faut aussi que vous pensiez. Non, ne dis pas. Non, mais la suite, la suite, tu vois. Je vous aime. Attends, j'ai fini d'abord. Il faut aussi que vous m'aimez. Manakonolinga, Wamena, Wayamana, je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le pidgin, je suis à l'aise. Merci beaucoup, merci Vanister, merci infiniment, bravo à vous.